Laissez mon royaume prospérer en vous. 9 décembre 2019. Parole du Seigneur délivrée à Barbara, traduite et lue par Justine. Ma fille, écris mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ne vous disputez pas avec ceux qui sont aveugles à ma vérité. Présentez-leur ma vérité, mais ne vous disputez pas avec eux. Leurs oreilles sont bouchées et leurs yeux sont fermés. Et ce n'est que par mon pouvoir, le pouvoir de mon Esprit Saint, que leur esprit sera changé. Secouez la poussière de vos sandales et poursuivez votre chemin, de peur que votre propre fierté ne s'empare de vous, ou même pire, la confusion qui est dans votre propre cœur. Il y a du pouvoir dans cette tromperie. C'est pourquoi il y en a tant qui croient ce mensonge. Poursuivez votre chemin et partagez mon véritable évangile à ceux qui ont des oreilles et des yeux ouverts. Et pour ceux qui refusent de marcher dans ma vérité, et ils sont nombreux, vous êtes libres de toute responsabilité. Seul l'Esprit Saint peut briser les barrières que l'ennemi a placées autour de leur cœur. Aucun raisonnement, même avec de saines doctrines, ne pourra faire céder ces barrières. Les œillères posées par Satan ne peuvent être retirées que par mon Esprit Saint. Battez-vous avec votre propre foi et permettez-moi d'ouvrir les yeux et les oreilles de ceux qui sont aveugles et sourds. Mon feu s'occupera certainement de raffiner leur cœur endurci. Priez pour eux et continuez votre route, de sorte qu'ils ne deviennent pas pour vous des pierres d'achoppement. Rappelez à tous mes enfants qui ont vraiment reçu mon don de salut, ceux qui ont été scellés en mon Esprit Saint, que leur futur est sécurisé, de même que leur éternité. Certains trébucheront-ils? Oui. Mais rappelez-leur que mon Esprit Saint est continuellement avec eux, les raffinant et créant en eux un nouveau cœur. Les scories ne peuvent être retirées qu'en augmentant la température. Ce n'est pas toujours plaisant, mais c'est nécessaire pour le raffinage. C'est la promesse que je vous ai faite. Je ne vous laisserai jamais là où je vous ai trouvé. Et ma promesse pour vous est aussi que je vous transformerai en une nouvelle création. Mon royaume est établi en vous et dans le cœur de ceux qui m'ont reçu. Il grandit sans cesse et mature et se transforme. Même pour les plus spirituellement matures parmi mon troupeau, ils subissent toujours mon raffinage et une compréhension et une sagesse plus poussée peut toujours leur être délivrée. Ces choses dépendent étroitement de leur volonté propre à s'abandonner à moi. Mon Esprit Saint peut modeler un bloc d'argile tendre beaucoup plus facilement qu'un cœur de pierre. Mais cela ne signifie pas qu'il va abandonner les cœurs endurcis. Lorsqu'un cœur de pierre est attendri et transformé en un vaisseau qui déborde de mon Esprit Saint, cela a pour effet de me glorifier moi seul. Je veille sur ce processus avec une très grande patience, car il est différent pour chaque cœur.
toute personne qui cherche à avoir une relation avec moi, cela lui sera accordé immédiatement. Et toute personne qui entretient cette relation recevra de grandes récompenses pour s'être donné cette peine. Cherchez-moi maintenant dans ma parole. Cherchez-moi maintenant en prière et en adoration. Mettez de côté les préoccupations de ce monde et permettez-moi de dilater votre cœur au-delà de ce que vous pouvez appréhender selon votre compréhension humaine. Car avec moi, toutes les possibilités sont rendues possibles. Avec moi, les insensés sont rendus sages, et ceux qui se considèrent eux-mêmes sages sont rendus insensés. Vous devez rester tranquille afin que je puisse créer dans votre cœur un grand mouvement. Vous devez mettre de côté vos limitations terrestres de façon à ce que je puisse vous conduire dans mon dessein surnaturel pour vous. Mon plan pour les miens est tout sauf ennuyeux. L'accélération commence pour ceux qui sont prêts. Ceux-là recevront encore de plus grands pouvoirs à travers moi pour les conduire dans leurs accomplissements. N'ai-je pas promis que vous feriez des œuvres encore plus grandes que moi? Appuyez-vous sur le pouvoir de mon Esprit Saint maintenant, car il est votre conseiller, il est votre ami, il est votre porteur d'armes. Si vous l'étouffez, ce sera comme si vous marchiez seul. Élargissez votre pensée, mes enfants, pour appréhender le mode de pensée des cieux. Mon royaume réside dans votre cœur. Laissez mon royaume s'élargir. Laissez mon royaume en vous vous transformer en ma gloire. Les seules limitations placées sur moi sont placées là par vous. Je vous aime, mes enfants. Yahushua HaMashiach.